Que je suis content que Kirikou ait pu faire un tel voyage. Il avait bien besoin de cette promenade avant l'épreuve qui l'attendait. La plus terrible de tout ce qu'on pouvait imaginer. C'était pourtant une journée tranquille où tout allait bien. La bière nouvelle est bientôt prête. Encore une nuit de fermentation et nous la goûtons demain. Je pourrais la goûter moi aussi. Oh, ne t'approche pas de cette jarre ou tu auras affaire à moi. La femme forte agite sa louche d'un air menaçant. Kirikou boude. La nuit passe. Le jour se lève. La femme forte ouvre la jarre à bière. Le moment est venu de goûter à la nouvelle bière. Vite, la nouvelle bière est arrivée. Vite, on a soif. J'espère que nous allons nous régaler. La femme forte goûte la première. Elle en boit une pleine louche. Pas mauvaise du tout. Passe la louche. Peut-être pas assez fermentée. Toutes les femmes goûtent à leur tour. Il faut encore la laisser reposer jusqu'à demain. Mais elle est tout de même très bonne, hein? Demain, elle sera parfaite. Un peu de patience. Merci. Par ici. Ça fait du bien. Ah, quel goût. Et toi, tu ne dis rien? Comment trouves-tu la bière nouvelle? Je lui trouve un drôle de goût. Comment un drôle de goût? C'est la bière que nous faisons depuis toujours. Elle est très bonne, cette bière. Tiens, j'en reprends.